Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ça va être la suite de la map modée et qu'on avait sortie tout simplement parce qu'il y a une deuxième version qui est sortie. Donc je suis toujours avec la baltringue. Oh que bien ta mère. En plus il y a une TNT. Donc vas-y viens. Pourquoi. Mais moi je la vois pas ma TNT, j'irai. J'irai sur ta vidéo. Bon, va pas tout juste voir les creepers tranquillement. Donc pour la première vidéo, on avait vu toute cette première partie là. Toute cette première partie là jusqu'ici. Ici, il me semble, voilà, jusqu'ici. Donc, après tout ce qu'il y a là, c'est du nouveau, donc je vais vous le présenter. Donc là... Putain, je les arrache. Tout ça, c'est des... Tout, en gros, tous les enchantements du jeu. Mais en 1. Protection, attends, je sais pas si... Non. Ici, c'est plein de potions bizarres, plein de potions, du slowness, du strength. Ouais, attends, ouais, faut savoir quand même. Mais en 10... Elle date de la dernière mise à jour parce qu'il a le, il avait fait le bois et tout. Donc, Ouais, mais cette map là date de grave longtemps en fait. Hein. Genre, quand elle est sortie cette mise à jour là, il y avait cette map là, il y avait même pas encore les vitres de couleur, c'est pour vous dire. Donc, alors, il y a ça. Des bâtons. Instant kill, instant damage. Fox. T'es en survie, mon chancré. Tu sais ce que ça veut dire. Ah, en tout cas. T'as rien à voir. Vas-y. Fais-moi le. Ça one shot. Fais-moi le pour leur faire voir. Voilà, ils sont contents. Des armures ça one shot et tout. Ouais, ouais, ça one shot tout. Même au Lander Dragon, j'ai été le voir, je l'ai one shot. Ça, c'est de la merde. Des blocs de des demi-lits, pas même pas pion, c'est dans des arafes, des demi-portes. Ça par contre c'est intéressant. Alors ça, les cubes comme ça, c'est des blocs de nether. Donc si vous voulez prendre le nether, vous allez dedans. Et ça c'est des blocs d'under, tout simplement. Ça, par contre, va pas dans l'under. Donc voilà, ensuite ça c'est de la merde, c'est des queues de citrouille et queues de pastèque, on s'en branle. Ici, voilà. Des tirs de potions, rien de méchant, que du bonheur. Oh putain. Attendez, hop. Pas trop d'effet comme vous pouvez voir, juste 558. La première fois que j'ai pris cette potion là, bah ma play elle a crash. Du coup je croyais qu'on pouvait pas l'en prendre, mais si on peut en prendre en fait. Donc voilà. Et il y a ça là aussi, les détecteurs de lumière de jour, parce qu'avant il n'y avait pas, vu que c'était avant la mise à jour, et puis il y avait aussi les deux différents. Il y a ça, un régénérateur pour le dragon. Et attends, quand j'allais là tout à l'heure, j'avais vu un dragon gros. J'avais vu un dragon tout à l'heure, la vie de ma mère, j'avais vu un dragon cousin. Il est où ce fils de pute. Putain. Ah, il est là, God, viens voir, il y a un dragon qui vole. Dans le... Dans l'overworld, cousin. TP. Là. Ouais. Thomas, attends, regarde. On va le one shot. Thomas, regarde, bâton. Hop, voilà. Et on peut pas le tuer. Non, c'est normal, on peut pas le tuer. On cube bien ta merde. C'est parce que pour tuer le dragon, faut. Non, on peut pas le tuer, il est intuable. Parce que pour tuer le dragon, il faut attendre qu'il retourne sur sa plateforme dans l'Ender. Et vu qu'on est pas dans l'Ender, bah il connera jamais ce fils de pute. Bon voilà. Donc voilà, là il y a son bloc de régène, mais bon, jamais il reviendra par ici. Ici, un petit spawner à moutons. On va avoir une carte. On va prendre un petit tombard là, vite fait. Hop. Hop. Ici là c'est un zombie boss. Donc attends, je suppose qu'en vrai ils lui font beaucoup de coups parce qu'avec un bâton on le canne sa mère. Ici là c'est marqué, il y a un cochon, c'est marqué kill me, viens voir Fox, regarde ça fait quoi quand on le tue. On le canne sa mère, ça donne. Oh bah t'as là ça m'avait juste donné un. Ouais les plans par contre elle est fragile là. Ouais les plans elle casse froid. Donc ici attention, écartez-vous, on va se mettre en survie. On va activer le destruction par créature. Tu penses mettre une petite armure avant parce que... Vas-y, give-toi une petite armure.
Tu sais, pour la mettre plus vite en armure, tu t'appuies sur L2 dans ta barre d'inventaire et ça la met directement. Ouais, je sais. Alors, attends. Mode survie. Ok, viens, on va commencer par le creeper chargé parce que si on commence par le dernier, il va plus y avoir de mob. Donc, le creeper chargé, comme vous connaissez, il existe depuis longtemps, mais très très dur à obtenir. Attends, on va juste faire ça pour qu'il se barre un peu plus loin, ok? Par contre, faut que tu ramènes ta mère, fils de pute, sinon ça va le finir. Voilà, viens, on l'amène plus loin, on l'amène plus loin, on l'amène plus loin. Hop là, on va le faire éclater. Creeper chargé, donc voilà, il fait un plus gros trou que le creeper normal, comme vous pouvez voir. Viens, faut qu'on... Attends, merde, fais un trou pour... casse la barrière pour essayer de ramener l'autre un peu plus loin. Voilà, donc celui-là, attends, réglons-le encore. Celui-là, je sais pas c'est quoi le nom. Armor Creeper. Oh, la merde. Creeper de base, quoi. Il fait moins que le premier. Non, il fait moins que le premier. C'est sûr. C'est que le matériel, il fait pas de base, il en fait plus. Ok, bon, alors celui-là, il pète instant, lui. Celui-là, c'est normal, je crois. Attends, il y en a un, c'est marqué fusée, je sais pas si c'est quel, c'est lequel. Vas-y, fais-le péter. Ah non, celui-là, il pète pas, il grossit juste. T'as mal gros temps, on dirait Shinox. Attends. Lui, c'est quoi le blaze? Baby Creeper. Oh, ça doit être de la merde. Carte bloc suisse. Bon, par contre, là on arrive dans le haut level creeper nucléaire. À part toi, connais. Ça blague. Voilà. Creeper nucléaire, donc voilà. Hein, ça fait. Par contre, ça fait une zone régulière, ça fait bien un carré. Mais très puissant, creeper nucléaire, tranquille. Il explose bien, il éclate bien. Pour faire du terraforming, c'est pas mal. Voilà les gars, vous avez vu en gros. Ah, je suis pas mort. C'est quand même stylé quand même d'avoir tous ces trucs là sur console. Ouais, mais t'as vu, rien que le creeper nucléaire, la Play 4 t'arrives pas à suivre. Si, moi ça me suit parce que je suis l'autre. Ah, bon, attends, je vais remettre en créatif, je vais aller voir s'il y a toujours le dragon là-haut. Tiens, y'a un vilain qui est ici là. T'es moi le dragon. Le fils des plus, j'ai le dragon dans l'overworld en mode au calme. Truc de ouf quand même. Oh putain. C'est la pute. Comme d'hab, on peut pas cliquer sur les commandes blocs. Bon bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse là pour cette vidéo là. Attends. Je vais sortir un alambic. Attends, parce que le cheval là il marche vite. Ah, je peux pas mettre de... Eh, je peux pas mettre de casque parce que soi-disant j'ai une TNT sur ma gueule. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas mon avis, ça doit être l'autre. Attends, faut que je teste un truc qui est déjà un ambit qui se fait ce truc. Oh. Ah non, tu peux pas les faire en splash. J'ai t'inquiète, j'ai essayé. Quand tu les fais en splash, genre si tu les balances sur quelqu'un, moi ça fait rien. Oh, je sais pas, la dernière fois ça avait test. Attends, on va voir sur. Tiens, tu me la balanceras. Non, vas-y, tu me la balanceras. Moi, je balance au de lait. Ouais, puis t'en as 3. Ouais, moi aussi. Je vais balancer une fois le bourrin, comme c'est valeur chimique. Je vais en prendre une, hop. Tu vois, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ça donne de la régène, c'est tout. Bah, c'est ton mec, gros. T'imagines le bourrin, il a ça, fils de pute. Elle me marche vite en bleu. Ah ouais, il trace. Putain, laisse tomber en vrai un cheval comme ça, gros. T'en fais un métro. Putain, merde. Ouais, j'ai vu. Ouais, que de la régène. Bon, peut-être se laisser là. Ouais, on va se laisser là, on va pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà, c'était pour vous présenter la map modée version 2. Franchement, elle est pas mal. Il y a eu pas mal de trucs par rapport à les. La map modée numéro 1, moi je kiffe vraiment, c'est... Ah, y'a un mouton dans l'end. Oh, ça c'est... on s'en fout, ça. Moi je kiffe. Trouver que ça one shot. Moi je kiffe, c'est l'under dans l'overworld, ça tue sa mère, vraiment. Bon, Fox, on se laisse là. Ouais, attends, j'ai encore sa mère, on va te faire un lui, fils de...
Ah là normalement je peux le tuer. Ouais, bon. Ah c'est bon, je l'ai tué. Oui. Ah moi je le vois pas comment. XP. En gros ça crée un... Oh, ça crée carrément un portail. Oh le bordel dans le casque. Ah mon gars, laisse tomber, mon casque il a tremblé, fils de pute. Ah bon ? Oh non. Pourtant c'est un casque, hein, c'est pas le caisson. Ici. Tiens regarde, attends, je vais te TP sur WAM. Tiens regarde au-dessus, ça crée un portail quand je les connais sa mère. Ah parce que l'autre il est mort, fils de pute. Ouais, je le connais. Et si on rentre dedans ? Ah, on lui ramène un autre spawn. Ouais. Bon. Bon allez, on se laisse ici, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous a aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.